You are Yahweh, Alpha and Omega. You are Yahweh, Alpha and Omega. Bonjour à tous, bonjour à tous, bonjour. Je m'appelle Mikem Bello. Et je suis la coordonnatrice régionale du réseau MAP Network pour l'Afrique centrale, également pour l'Afrique francophone. Et je viens aujourd'hui m'entretenir avec vous sur mettre fin à la violence contre les femmes dans le ministère. Vous savez, je viens parler d'un phénomène fréquent dans nos assemblées locales, dans nos ministères. Beaucoup de pasteurs, beaucoup d'autorités, hein, de leaders, de conseillers, de parents ont envoyé des femmes trop tôt dans la tombe en leur disant accroche-toi, fais plus d'efforts, sois plus soumise, apprends à pardonner, ne quitte pas ton mari, mais Dieu est le divorce, c'est peut-être ta croix, hein, porte-la et prie que Dieu te vienne en aide. Mais toi aussi, évite de le provoquer, hein? Évite de l'énerver. Tu sais très bien qu'il n'aime pas ce genre de choses. Hein? Pardonne, oublie, avance. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on ait une conversation franche autour de quand faire plus d'efforts ou être plus gentil ne fera qu'empirer les choses dans une relation abusive. Chaque année, chaque jour, un grand nombre de personnes sont victimes de violences conjugales. Pourtant, très peu de gens ont une vraie idée de ce que c'est réellement la violence conjugale. Qu'est-ce qui est considéré comme violence conjugale? Est-ce qu'il faut être frappé? Il y a tellement de malentendus, de mythes, et c'est, je pense, aussi l'une des raisons pour lesquelles cette violence persiste. Personnellement, ce fut mon défi, j'ai été victime de violence, mais pas de violence physique, de violence émotionnelle. Je voyais ma relation un peu comme tout le monde, vous savez, bon, on a des problèmes, hein, mais dans mon cas, c'était des problèmes qui commençaient à me rendre littéralement folle. Les mensonges répétés, le manque de respect, le mépris de ma personne, la condescendance, vous savez, le genre de relation où on vous fait croire que vous ne valez rien, que vous devriez vous estimer heureuse de l'avoir dans votre vie. Le genre de relation où, vous savez, on vous fait passer pour une irrationnelle qui exagère tout. Le genre de relation où c'est votre partenaire lui-même qui vous salit et qui raconte mais des saletés sur vous pour mieux vous isoler. Le genre de relation où vous savez ce que vous êtes, qui vous valez, mais parce que vous êtes ouvert, parce que vous êtes rendu vulnérable, parce que vous avez partagé certains secrets avec votre compagnon, il l'utilise contre vous pour mieux vous manipuler. C'est de ça que je parle. Alors, une chose que je tiens à souligner tout de suite, c'est qu'il y a toujours de l'espoir. Peu importe où vous êtes, où vous avez été, vous pouvez changer votre vie. La vie ne consiste pas seulement à réagir aux différentes luttes. Il y a tellement plus de choses à vivre. Et parfois, lorsque vous touchez le fond, c'est là que vous réalisez que vous n'êtes pas obligé d'y rester. C'est à vous de créer, de raconter votre histoire. Vous n'êtes pas obligé de vivre votre vie en fonction des exigences ou des caprices des uns et des autres. Et en effet, l'un des plus grands changements d'état d'esprit que nous puissions opérer consiste à sortir de nous-mêmes, à observer notre situation et à choisir de vivre différemment. Cela nous permet de commencer à voir toutes sortes d'opportunités pour guérir et progresser dans la vie. Mais si vous êtes dans une relation abusive, vous ne pouvez pas changer toute votre vie du jour au lendemain. Les petits pas sont essentiels, surtout lorsqu'il s'agit de quitter une relation abusive ou ce qu'on appelle une relation toxique. Pour beaucoup de gens, cela signifie d'abord trouver un endroit sûr où vivre et répondre à ses besoins fondamentaux. Eh oui, la clé de la guérison d'une relation abusive, c'est de prendre un jour après l'autre. Il n'y a pas de limite de temps pour guérir, ce n'est pas la course.
Et si cela prend le reste de votre vie, c'est tout à fait normal. La guérison, c'est un voyage, pas une destination. Et nous devons également reconnaître que la violence psychologique peut être tout aussi néfaste que la violence physique dans une relation. La violence domestique ne consiste pas seulement à blesser quelqu'un physiquement. Elle peut consister à briser des objets, à conduire de façon irrégulière. Il y a tellement de formes, et on va en parler tout à l'heure. En tout cas, si vous envisagez de mettre fin à une relation abusive dans laquelle vous êtes, essayez de ne pas le faire seul. Mettez en place un système de soutien et établissez un plan. Par exemple, en rompant par téléphone ou en parlant à un défenseur, quelqu'un qui va vous protéger, en changeant les serrures de votre porte. Enfin, il n'y a vraiment pas de honte à demander de l'aide. Alors, maintenant, vous ne savez pas si votre relation est abusive. Ne vous en faites pas. Tout à l'heure, je vous donnerai quelques signaux d'alarme qui devraient attirer votre attention si ces cas-là s'avèrent dans votre situation. Le plus important, un des signaux d'alarme les plus importants ou les plus grands, c'est déjà de se demander simplement si quelque chose a un signal d'alarme. C'est-à-dire qu'il faut écouter votre intuition, votre pressentiment. Avoir l'impression d'être maltraité ou de se demander si quelque chose ne va pas, c'est déjà un signal d'alarme. Et nous devons tout particulièrement apprendre à nos enfants et à nos adolescents à reconnaître ces signaux d'alarme dans les relations. Beaucoup ne se rendent pas compte que les jeunes sont incroyablement vulnérables aux abus relationnels et à la violence domestique. Les statistiques indiquent qu'un adolescent sur trois, en tout cas aux États-Unis, vivra une relation toxique. Les signes courants d'une relation abusive sont souvent troubles de l'alimentation, dysmorphie corporelle, isolement, baisse des résultats scolaires, automutilation, hein, des sauts d'humeur et augmentation de l'anxiété ou de la dépression. Mais bon, même si vous n'êtes pas aujourd'hui dans une relation abusive, en tout cas je ne vous le souhaite pas, vous connaissez peut-être quelqu'un qui l'est. Il est donc important de vous informer et d'informer les autres sur les signaux d'alarme. Et si une personne que vous connaissez ou que vous aimez est dans une relation abusive, restez patient et présent. Comprenez que le départ ou quitter cette relation, c'est un processus. Essayez de ne pas imposer vos opinions ou vos jugements, car cette personne se sent déjà déresponsabilisée par son partenaire. N'en rajoutez pas. Hein? Donc, mettez plutôt l'accent sur elle-même. Essayez de l'amener à réfléchir si c'est vraiment ce qu'elle veut, hein? Avec compassion et bienveillance. Alors, pour revenir à ma petite histoire, j'étais donc dans cette relation abusive, mais les gens, en tout cas sa famille à lui, me donnaient l'impression que c'était moi qui exagérais, c'était, y a des femmes qui ont vécu pire, nos mamans ont vécu pire, donc c'est rien de compliqué, c'est la vie, accepte ça comme ça, prends ses bons côtés et ferme les yeux sur les mauvais côtés. Et un jour, une amie me recommande un livre. Et quand je commence à lire ce livre, mais je me dis, mais c'est ma vie, quoi. Et je me dis, mais c'est vrai. Parce que, en fait, j'avais l'impression que je devenais folle. Je ne reconnaissais plus celle que j'étais. Et dans ce livre, il y avait un terme qui résumait ce que je vivais, violence conjugale. Et plus précisément, violence psychologique due à une relation avec un pervers narcissique. Waouh! Et aujourd'hui, sensibiliser sur les violences psychologiques fait partie de ma vie, car je me suis très vite rendu compte que je n'étais pas la seule à vivre ou avoir vécu une telle situation. N'importe qui peut se retrouver dans une relation abusive, n'importe qui. Race, identité sexuelle, religion, toute croyance. Mais qu'est-ce que la violence conjugale exactement? C'est un ensemble de comportements abusifs, hein, commis par une personne dans une relation, dans le but de maintenir le pouvoir et le contrôle. C'est vraiment aussi simple que ça. Et cette personne le fait par le biais d'un éventail de comportements, et c'est là qu'intervient l'une des idées fausses les plus courantes. Beaucoup pensent que la violence conjugale nécessite une violence physique. Rien que le mot violence lui-même fait que l'esprit assimile la violence conjugale à une atteinte physique, hein? Alors que, en fait, quand on parle de violence, il s'agit simplement de tout ce qui peut provoquer un sentiment de peur. Il ne s'agit pas seulement de la peur de dommages physiques, mais la peur à l'idée, par exemple, simplement de contrarier son partenaire. Est-ce qu'il ne va pas
avoir une saute d'humeur, est-ce qu'il ne sera pas enragé, est-ce qu'il ne va pas me bouder toute la journée. Donc la violence conjugale, c'est vrai qu'elle peut être physique, mais on n'a pas besoin de frapper quelqu'un pour abuser d'elle. En vérité, la grande majorité des victimes de violences domestiques vous parlent d'autres formes d'abus. Abus émotionnels, abus verbaux, abus psychologiques, abus financiers, les abus sexuels. Et tous ces mécanismes sont utilisés pour susciter la peur d'une manière ou d'une autre. Ils sont manipulateurs, dévalorisants. Ils donnent à l'autre l'impression qu'il devient fou, qu'il doit toujours marcher sur des œufs ou qu'il exagère, qu'il affabule. En tout cas, quelle que soit la forme de violence utilisée, l'objectif est le même. Le pouvoir et le contrôle. Parce que la personne qui est abusée, en fait, ne fait tout pour éviter d'appuyer sur le mauvais bouton. Par exemple, si votre partenaire s'emporte dans les sautes d'humeur inattendues, vous traite de tous les noms, vous donne l'impression d'être folle, mais en général, on fait tout pour l'éviter. Ou alors, s'il menace de vous blesser, on fait tout pour éviter de l'énerver. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'une personne violente emploiera toute une série de tactiques, diverses formes de violence pour garder le contrôle. C'est parce que c'est de contrôle qu'il s'agit. Vous empêcher de partir, vous empêcher d'avoir confiance en vous, vous faire croire que tout est de votre faute, vous êtes la pire chose qui lui soit arrivée, vous ne valez rien, mais vous devez être heureuse qu'il soit encore dans votre vie ou qu'il vous garde dans votre vie. Mais alors, comment savoir s'il s'agit de violence domestique ou d'une dispute normale, puisque les disputes arrivent, les malentendus arrivent. Dans la vie de couple, c'est vrai, on a nos périodes de haut et de bas, des périodes où on se supporte pas les uns les autres, on a des désaccords, ça arrive. Mais il y a des indicateurs pour distinguer la violence domestique ou conjugale d'une relation instable. Il y a un schéma. Il y en a toujours un qui doit faire attention, il y en a toujours un qui doit tout subir, il y en a toujours un qui doit tout pardonner. Et en général, il y a toujours, c'est cyclique. Un incident arrive, l'abuseur s'excuse ou trouve des excuses. En général, il ne demande pas pardon. Alors, déjà, s'il demande pardon, c'est rare. Mais en général, il ne demande pas pardon. Il va justifier que je t'ai trompé parce que tu ne me donnes pas le sexe assez souvent. Je te trompe parce que si, ou je me comporte comme cela parce que, enfin, c'est toujours vous la cause. Donc, parfois il dit oui, pardonne-moi. Mais ça reprend. Donc, en fait, c'est quand ça devient récurrent. Et alors, je prends vraiment mon temps pour l'expliquer en long et en large, car beaucoup de faits dans nos cultures semblent justifier cet état de choses. Et beaucoup de femmes subissent des abus et pensent que c'est normal. Vous savez, quand on s'entretient avec des survivantes d'abus, beaucoup rapportent que l'un des plus gros problèmes auxquels elles ont été confrontées pendant ou après leur abus est que les autres les prennent pour des folles. On les prend rarement au sérieux, car contrairement à la violence physique, c'est plus difficile et plus éprouvant à prouver ou à même détecter. Donc, dans la société en général, le problème est réel. Réel. Quand je vous dis réel, je vais vous raconter des histoires tout à l'heure, vous allez voir. Imaginons alors dans nos assemblées, dans nos communautés où on nous enseigne à longueur de journée que la femme doit être soumise à l'homme, hein? Que nous devons pardonner 7 fois 77 fois, que quand on te gifle sur une joue, il faut tendre l'autre, hein? Où on a tendance à reporter la responsabilité de la réussite de la famille sur les épaules de la femme, qui doit tout pardonner, tout accepter, ne jamais se plaindre, etc. Et c'est vraiment là que beaucoup de leaders, beaucoup de conseillers, beaucoup d'autorités, beaucoup de parents pêchent. Par ignorance, non seulement de la parole de Dieu, mais par également la mauvaise application de cette parole de Dieu. En ligne et dans nos assemblées, on trouve facilement des milliers d'enseignements sur comment être une bonne épouse, les mesures à prendre
pour construire un mariage heureux, réussi. Mais comment gérer un mariage destructeur et abusif? Personne n'en parle. Comment être la femme soumise d'un pasteur qui vous prend de haut, qui vous méprise, qui vous insulte à longueur de journée? Sauf quand un étranger est là, personne n'en parle. En tant que conseillère et coach, je suis de plus en plus troublée par les conseils que les femmes en difficulté reçoivent de la part des pasteurs ou de la part de parents, des conseillers chrétiens, d'amis, des responsables, bien intentionnés, hein, mais lorsqu'elles cherchent de l'aide pour leur mariage destructeur. Bien souvent, c'est parce que nous n'avons pas compris la gravité du problème. Nous avons mal diagnostiqué une famille ou un mariage atteint d'un cancer en phase terminale, et on le traite comme si ce mariage ne souffrait que d'un simple rhume. Nous avons également mal placé la responsabilité de la cohésion familiale, de la vie de famille, en faisant peser un fardeau mais très lourd, extraordinairement lourd, sur les épaules des femmes, qui doivent maintenir la relation aimante et chaleureuse avec un mari, qui la traite avec cruauté, irrespect, tromperie et indifférence. Ce n'est pas faisable. Et ce n'est pas biblique. Chaque semaine, j'entends des femmes qui cherchent désespérément des réponses, dont le mariage et parfois la santé mentale ne tiennent qu'à un fil. Les détails varient, mais les questions sont généralement les mêmes. Que dois-je faire? L'esprit de la femme, parfois même tout son corps, est déprimé, épuisé par la détresse qu'elle ressent entre les murs de son propre foyer. Elle veut honorer et faire sa volonté. Elle veut honorer Dieu. Mais cela signifie qu'elle doit continuer à se laisser détruire par son mari, par un homme qui a promis de l'aimer et de la protéger. Pour honorer Dieu, faire la volonté de Dieu, cela veut-il qu'elle doit se soumettre à des pratiques sexuelles dégradantes, accepter tous ses fantasmes? Le mariage et la famille sont importants pour Dieu, ça c'est sûr. Mais les individus qui composent cette famille sont tout aussi importants pour lui. Dieu n'accorde pas plus de valeur aux hommes qu'aux femmes, mais dans nos assemblées, c'est l'impression qu'on a. Aujourd'hui, quand une femme a un souci dans son couple, quand elle décide de partir, de quitter un homme violent, souvent elle quitte non seulement le mari ou ce foyer, mais elle quitte également l'assemblée. Vous pouvez être choqué de réaliser combien de femmes de pasteurs mais sont maltraitées par leur mari au nom du « tu dois te soumettre ». Si vous êtes une telle femme et que vous m'écoutez aujourd'hui, sachez que Dieu veut vous aider. Et il vous enverra l'aide pour vous apporter la restauration dont vous avez besoin. Dieu sait aussi qu'à cause de la dureté du cœur de votre mari, la vraie réconciliation de votre couple n'est pas toujours possible. Disons-nous la vérité. Quelqu'un qui refuse de changer, quelqu'un qui passe tout son temps à courir les jupons, qui prend des risques tout le temps, qui vous met en danger. Écoutez-moi bien. Dans certains cas, garder le mariage à tout prix peut être dangereux et mettre votre vie en danger. Donc, il vous faudra apprendre, femme, à acquérir un regard neuf sur le mariage et comprendre votre rôle dans le mariage. Vous devez apprendre des stratégies et recevoir des outils. La Bible nous dit « Mon peuple périt faute de connaissances ». Ce n'est pas, il suffit pas d'entendre ce que les gens disent. Étudiez la Bible pour vous-même. Cherchez des dictionnaires, renseignez-vous. Apprenez. Ne vous contentez pas de ce qu'on vous dit. Et je prie vraiment que vous réussissiez, que Dieu déploie en votre faveur le ministère des anges pour que par la puissance du Saint-Esprit, vous receviez l'aide, la miséricorde, la grâce nécessaire pour traverser cela, pour apprendre des stratégies, recevoir des outils qui vous permettront de retrouver votre propre voie. Au fil de notre conversation, je vais raconter l'histoire de quelques femmes. Juste pour mieux illustrer ce que nous voulons que tout le monde constate. Je vous raconte l'histoire de Anne et de Carrie. Et vous vous rendez compte assez rapidement, en tout cas si vous êtes dans une relation abusive ou pas. Parce que
quand l'histoire de Anne et de Carrie, voilà deux femmes qui sont toutes deux déçues de leur mariage. Mais l'une est dans une relation, je dirais, décevante, pas épanouie, tandis que l'autre est dans une relation destructrice. Et moi, aujourd'hui, dans ce message que j'envoie de mettre fin à la violence aux femmes dans le ministère, je viens attirer l'attention sur les violences psychologiques que nous ne voyons pas et qui minent les femmes dans nos églises. Donc après avoir raconté ces histoires, pour certaines d'entre vous, je vais partager 14 signaux d'alarme qui, s'ils se révèlent vérifiés dans votre cas, vous permettront peut-être de vous rendre compte que vous êtes, peut-être en tout cas, dans une relation abusive. Donc voici Anne, une très belle jeune femme, maman de deux magnifiques jeunes filles. Elle vient dans mon bureau, elle est en pleurs, ça ne va pas. Elle dit, mais franchement, Mickaël, je ne sais pas, je devrais être heureuse. J'ai une belle vie, j'ai un bon mari, j'ai une belle maison, je suis en sécurité, il m'offre tout ce qu'il veut. Il est merveilleux avec nos filles et il pourvoit à nos besoins. Mais c'est un gardien dans l'ensemble, il est chrétien, épanoui, vraiment. Mais je ne suis pas heureuse. Donc je lui dis, quel est le problème alors? Il dit, vraiment, je n'ai pas ce truc-là avec lui. Tu sais, je ne sens pas de connexion. Je ne ressens pas cette étincelle pour lui. Je ne sais même pas si je l'ai jamais ressenti. Je me dis franchement, peut-être que si j'avais attendu, que j'aurais fait un meilleur choix. Ma vie est ennuyeuse, je m'ennuie, je suis pas heureuse. Et vraiment là, me dire que je vais passer le reste de ma vie avec lui, franchement, Mickaël, c'est dur. Au fur et à mesure de nos discussions avec Anne, je me rends compte qu'elle a grandi dans une maison bruyante, dans une famille où il y avait beaucoup de chaos. Elle a grandi avec beaucoup de personnes autour d'elle. Et quand elle rencontra Ethan, son mari, c'était l'image de la stabilité, la force, la sécurité. Quelque chose qu'elle n'avait jamais connu auparavant. Et donc, Ethan était un chrétien engagé qui servait dans le département des huissiers d'accueil. Et donc, pour elle, c'était vraiment le mari idéal. Elle appréciait le fait d'être aimée, de se sentir protégée, chouchoutée. Mais elle n'avait jamais considéré les autres qualités de Ethan, notamment sa nature réservée et le fait qu'il ne soit pas aventurier de nature. Aujourd'hui, bien que chouchoutée en sécurité, Anne se sent seule, elle s'ennuie, elle aimerait voyager, aller découvrir des choses. Elle se sent piégée parce que son mari n'est pas du tout comme cela. Voyez-vous, le mariage de Anne peut ne pas la faire sauter de joie, mais il n'est pas destructeur. Elle n'est pas heureuse, c'est sûr. Elle est malheureuse, mais son mariage n'est pas destructeur. Mais je vous raconte maintenant l'histoire de Carrie. Carrie vient dans mon bureau, elle n'arrive pas à s'asseoir. Je dis, Carrie, asseyez-vous, elle ne peut pas s'asseoir, incapable de s'asseoir. Elle va et vient, mais quand même, vraiment, je ne sais plus comment continuer à vivre ainsi. Je me raconte, que se passe-t-il? Mais mon mari me dit que je suis grosse, que je suis indigne, que je ne vaux rien, que je suis paresseuse. Il se moque tout le temps de moi. Quand je pleure, quand je me fâche, je ne sais même pas quoi faire, je ne sais plus quoi faire. Quand il dit aux enfants de ne pas m'écouter, que je suis trop stupide pour les aider à faire leurs devoirs de maison. Et le sexe, je n'en parle même pas. Mais bon, c'est du style, si je ne suis pas intéressée, je dois m'entendre dire combien je ne vaux rien, combien plein de femmes seraient heureuses de faire les choses qu'ils veulent faire, combien moi, parce que je suis grosse, combien d'abord, ou alors je suis stupide, combien le fait de faire l'amour avec une femme stupide peut rendre stupide. Enfin, je suis allée vers mon pasteur pour qu'il nous aide, Mickaël. Mais tout ce que mon pasteur me dit, c'est d'avoir confiance en Dieu, de faire plus d'efforts, d'être plus soumise, d'aimer mon mari. J'ai l'impression de devenir folle à l'intérieur.
Je travaille, hein, Mekem, je travaille, je gagne ma vie. Mon argent, son argent, je ne sais pas ce que son argent fait. Son argent, c'est soi-disant pour s'occuper des enfants. Encore, il ne s'occupe pas des enfants. Son argent, c'est pour préparer l'avenir des enfants. Mais c'est mon argent qui fait tout dans la maison. Et pourtant, je suis paresseuse. Je sais bien que Dieu attend d'une épouse qu'elle se soumette, mais comment? Comment puis-je me soumettre à quelqu'un qui est irresponsable avec notre argent? Et quand je commence à me prendre, on me dit, ah, mais c'est parce que tu veux chaque fois parler quand je parle, tu ne te soumets pas, tu n'es même pas une bonne femme. Comment me soumettre, Mekem, à quelqu'un qui agit comme s'il me haïssait, comme si j'étais la cause de tous ses problèmes? Comment ressentir de l'amour, hein, pour quelqu'un qui passe son temps à me rabaisser, à me dégrader sexuellement? Mekem, comment est-ce que je fais? Comment? Donc je souris et je lui réponds, tu ne peux pas. Hein? Quoi? Mekem, tu as dit quoi? Et s'assoit. Je dis oui. Tu ne peux pas. Carrie, tu ne peux pas. Tu vis un enfer et c'est normal que tu te sentes blessée et en colère. Et Dieu est la manière dont te traite ton mari. C'est diabolique. Mais alors, qu'est-ce que je dois faire? Ben, Carrie, il est impossible d'aimer ton mari de manière chaleureuse ou aimante en ce moment. Mais Dieu veut quand même que tu l'aimes, même s'il se comporte en ennemi. Ensemble, on verra, on travaillera sur la manière dont tu peux l'aimer, dont tu dois lui démontrer ton amour dans cette situation. Mais avant qu'on entame notre parcours, je voudrais te rassurer une chose. Aimer ton amour à la manière biblique ne t'oblige pas, ne signe pas l'encourager dans sa maltraitance vis-à-vis de toi. Cela implique quelque chose de bien plus rédempteur et nous aurons l'occasion d'y arriver. Vous voyez donc le schéma. Carrie, tout comme Anne, est dans un mariage décevant. Mais à la différence de celui de Anne, le mariage de Carrie est destructeur. Et si son mari ne se contente pas de blesser ses sentiments, il dégrade constamment sa personnalité, dévalorise sa voix. Il la rejette en tant que compagne biblique, mais l'utilise comme objet pour satisfaire ses désirs sexuels. Ses actions et ses attitudes envers Carrie ne sont pas seulement pécheresses, elles sont destructrices. Elles la démolissent et l'empêchent de croître, de grandir. C'est toxique, non seulement pour Carrie, mais aussi pour lui en tant qu'homme, mais pour leurs enfants qui observent comment leur père traite leur mère jour après jour. Voyez-vous cela? C'est un mariage destructeur. Et répondre à Carrie de continuer à prier, d'être plus soumise, de s'accrocher, que c'est peut-être sa croix, ne résoudra pas les choses. Quand c'est un cancer, un paracétamol ne suffira pas. Voici la fin de la première partie. Tout à l'heure, nous reprendrons où je vous expliquerai comment faire, comment réagir, comment faire face quand on est dans ce genre de situation. Et si vous êtes pasteur, enseignant, parent, figure d'autorité, et que vous avez votre sœur qui est dans cette situation, je vous donnerai également des outils pour y faire face. Merci.